What's going on, guys? Et bienvenue à XCOM Enemy Within Long War. Donc, apparemment, il y a un mode qui a été fait, enfin qui a été rajouté, Long War, qui est un mode qui ne marchait qu'avec Enemy Unknown, donc la base du jeu, qui change énormément de choses au jeu. Et apparemment, maintenant, il y en a un qui marche avec Enemy Within. Bon, pour l'installer, hein, il y a déjà plusieurs tutoriaux sur YouTube ou sur différents sites. En gros, faut partir d'un jeu sain, donc genre vous allez dans les options de Steam, vous faites vérifier les fichiers et tout ça. Bon, bref, vous revenez avec un jeu de base. Après, vous installez Long War et ça devrait marcher. Donc bon, moi j'ai remis mes graphiques et mes textures et tout ça. Je sais pas si tout va marcher, mais on va tester. Bien sûr, le jeu, je crois que ça va marcher qu'avec le jeu en anglais, hein, parce que le mode est en anglais lui-même, donc... oui, il faut avoir le jeu en anglais. Bon, il y a toujours dans les options de Steam, on peut toujours changer la langue, donc c'est pas un problème. Ça en fait c'est les modes de jeu, il n'y a plus de facile, il n'y a que normal, classique, brutal, impossible. Bon, on va faire impossible direct, comme d'habitude. Second wave, j'ai pas trop envie de m'amuser avec ça en fait. Il y a juste un truc que je veux rajouter, c'est ça. Parce que ça, je crois pas que ça y est en fait dans le mode lui-même. Parce qu'il y a énormément en fait de second wave qui sont déjà activés dans le mode. Ah tiens, ça a changé. Des secondes waves qui ont changé. Par exemple, ça y était pas. Ça se fixe. Ouais. Not so long war. Sortir version of long war casual player. If your mission listed au long times. Ah ouais, donc ce sont des secondes waves en fait qui ont été modifiées pour ce mode. Bon, on va les lire vite fait. Bon, ça c'est comme avant, New Economy, nana. Strict Screening, Rookie Start Fixed. Non, j'aime pas trop. Training Roulette. Non, save, non. Ouais. Après le reste, bon, c'est un peu pareil. Just for long war, total lose. Aiming. Ouais, bon, je vais pas trop en rajouter parce que je sais pas en fait si ça risque de défoncer le mode ou pas. Donc on va juste rajouter ça. Aiming angles. Après, advanced option. Comme d'hab, Iron Man. Disable. Opening opération progénissant, c'est bon. Per slingshot, ça c'est avec Zang, ouais, c'est bon, tout est bon. Ouais, et bon, on va commencer. Ouais, let's go. Et comme d'habitude, nous prenons l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de monnaie, eh oui, c'est bien connu. Alors, ce ne sont pas des gènes génétiquement modifiés, là, des soldats génétiquement modifiés, c'est pas ça, vous calmez-vous. Ce sont juste des mecs normaux, mais ils peuvent équiper en fait toutes les armures, donc c'est ça qui est bien. Par contre, je crois pas que la texture a changé. Je sais pas si ma texture marche, bon, on verra. Oui, les armes ont changé aussi. On commence avec 6 personnes. Et on peut en avoir 8 au maximum, ce qui est énorme. Bon, mes icônes, ça va, sont toujours les mêmes. Vous pouvez voir aussi que... Par exemple, en fait, chaque caractère, chaque soldat a une vie différente. Et en fait, a des stats différents aussi. Par exemple, offense 63, donc ça c'est la visée. 63, là il y a 62, là il y a 68, 67, blablabla, 70, 63. Lui il a beaucoup d'HP, lui aussi, l'autre non, voilà quoi. Pour les nouveaux icônes, il y a ça.
Steady Weapon, donc ça en fait, ça va arrêter, ça va passer notre tour, et au prochain tour on aura plus 20 en visée, ce qui est énorme, ce qui est énorme, énorme. Les armes aussi ont changé, mais ça je montrerai après quand on aura fini cette mission. Certains commencent avec deux sortes de grenades, bon la flashbang normale, et puis c'était quoi cette grenade, c'est... Je crois que c'est ouais, c'est celle-là avec les pics là, needles là, donc ouais, je crois que c'est celle-là. Certes, pareil. Toi, qu'est-ce que tu as ça, t'as la même. Puis ah, je crois que c'est high explosive, donc en fait c'est une grenade normale, mais sauf que pour vrai c'est une grenade normale quoi. Là, pareil, ok. Ah, ouais. Et toi, t'as qu'une, toi, y a que toi qui a une flashbang, ok. Bon, allez, on va commencer parce que. Parce que voilà, il n'y a pas de compteur de meld, parce qu'en fait ça aussi ça a changé. Je vais vers la position. Attends, on va aller là. Ouais, ça aussi ça a changé, je montrerai après une fois qu'on est fini cette mission. Il y a beaucoup plus de meld aussi. Il y en a énormément plus. Des trucs à récupérer. Сделаем. Ну подходите, гады. I'm on the move. Roger that. C'est bien d'avoir plein de mecs, mais ça veut pas dire que ce soit plus facile, hein, donc faire attention. Parce que les aliens aussi, hein, ils sont pas exactement pareils. Par contre, maintenant, si on détruit, par exemple, si on tue un alien... Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Si on tue un alien avec des explosifs, donc avant, ça rendait en fait l'arme qui explose avec l'explosif, donc on pouvait pas l'utiliser. Il y avait ça, il y a les fragments d'armes aussi, qui marchaient pas. Oh, elle est déjà 4. Voilà. Qui marchait pas. Eux aussi, ils ont des vies différentes à remarquer. Il y en a un qui est en super cover là. C'est quoi ça? Low cover. Je sais pas exactement ce que c'est. Plus 2, plus 3 DR. Faudra que je regarde. Comme ça. Ouais, bon, les pourcentages sont bof. Voilà. On va se mettre là. Qu'est-ce que je disais? Oui, là, si on détruit en fait, si on tue avec une grenade, maintenant même le corps en fait va être carbonisé en gros, donc on pourra même plus, même pas récupérer le corps. Donc faut vraiment penser si on veut, si on doit, enfin si c'est nécessaire de tuer avec une grenade ou pas. Enfin grenade ou explosif, hein, donc une roquette aussi ça marche pareil. J'aimerais bien passer par la porte, mais j'ai pas envie de trop aller sur la droite parce que s'il y en a d'autres ça va être la merde. Donc on va faire juste ça. Je reste en observation. Alors, espérons qu'ils vont essayer de sortir. Il y a tout, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. Il y a d'autres aliens, enfin d'autres. Entre parenthèses, c'est les mêmes, mais par exemple, ça sera des. Comment expliquer ? Par exemple, des aliens commandeurs. Donc, on sait qu'il y a les rouges, là, les petits sectoïdes rouges. Mais en fait, il y en auront des nouveaux qui ont plus d'HP, qui ont plus d'habilité. Il y en a aussi, ils ont beaucoup plus d'habilité, donc ça aussi, on verra petit à petit. Ouais, il y a vraiment énormément de choses qui changent. Hein. Alors. Ça va. Le jeu est beaucoup plus. Comment dire. Juste, c'est-à-dire que. Je pense que normalement, là, vu que j'ai des low cover de partout, je pense qu'il y aurait au moins un de mes mecs qui serait déjà mort dans le jeu normal. Ça veut pas dire que le jeu est plus facile, ça veut dire juste que le jeu est plus. Plus balancé.
Ouais, si je peux dire ça. Plus égal, plus... les pourcentages marchent bien. C'est parce que, en fait, si vous avez joué pas mal à ce jeu, c'est que vous avez, en fait, vu que les... on va dire, 2 ou 3 tours sont déjà préprogrammés quand on charge une partie. Ça, c'est important à savoir. C'est qu'en fait, si on recharge la partie et qu'on fait exactement la même chose, il y a tout le temps la même chose qui va se passer. Ça, c'est très embêtant. C'est plutôt très très embêtant. Tiens, t'as pas une grenade explosive, putain. J'aurais dû mettre quelqu'un d'autre à la place. Donc en fait, ce système d'avoir des tours pré-programmés comme ça, 2 ou 3 tours en avance, c'est ce qui rend en fait le jeu très chiant et très embêtant, quoi. Ah, j'ai bien envie de passer par cette porte, quoi. On va avancer un peu. On va se mettre comme ça. Comme ça. Donc voilà. Donc en fait là j'ai l'impression que plus que c'est des. Que les pourcentages en fait marchent bien. Et et sont plus logiques. Enfin, j'ai fait que la première mission hein, avant de j'ai voulu tester un peu. Mais ça avait l'air de bien marcher, quoi, en tout cas. Je vais passer là d'abord. Mettre là, puis après je passerai par la porte. Ouais, il y a l'air d'avoir personne, donc c'est bon, je crois qu'on peut y aller. On va faire ça. Study Weapon, c'est vachement bien. Mais en fait, maintenant, le genre, on hésite en fait entre faire Overwatch, comme d'habitude, ou alors Study Weapon. Parce que c'est vrai que c'est pas mal, quoi. D'avoir plus 20. Quoi d'autre à dire? Donc là, en fait, on en a 4. Attention. Ils peuvent aussi faire des... Voilà, ça s'est bien passé. Des attaques psychiques, en fait, dès le début. Par exemple, là, je pense que leurs pourcentages sont trop bas, donc ils vont faire des attaques psychiques à la place. Bon, par contre, ça fait pas trop de... Ils peuvent faire ça aussi. Merde. Ouais, ils peuvent nous faire paniquer aussi. 63, 60. Par contre, toi, c'est con, parce que celui-là, il est en low cover, donc je pourrais pas le prendre à revers. Par contre, je pourrais prendre peut-être celui-là à l'intérieur. T'as quoi, toi, comme truc? Bon, 67. Et toi, 63. On va voir. Ça change beaucoup, en fait, d'avoir autant de mecs dès le début. Hein. Donc... Là, on peut faire ça. Alors, les grenades à pic... Je les ai jamais utilisées, pardon, dans le jeu principal, donc je sais pas exactement comment elles fonctionnent. Donc j'ai testé en fait à peu près. Donc ça dit qu'il faut que l'ennemi ne soit pas en cover. Donc en fait, ça veut dire que il faut envoyer la grenade par exemple derrière lui, que ça le touche directement. Donc ça veut pas dire que par exemple la personne doit vraiment être. En pleine ouverture, genre toucher aucun mur, quoi. Ça veut juste dire qu'il faut envoyer la grenade juste derrière lui, quoi. Juste derrière sa cover. Donc on peut faire comme ça. Par contre, les dommages sont un peu
au hasard, j'ai trouvé. On va voir là. On va voir là si ça fait exactement 4. Dommage à tout le monde. Bah voilà, par exemple, non. Oh oh. Tiens, l'autre est pas mort. Ça aussi, ça a changé. On va tuer lui, on va voir. Est-ce que ça tue? Non, ça tue pas, mais il perd 2 points de vie. Ça aussi, c'est pas pareil. Tellement de choses qui a changé, en fait, c'est énorme. Pas trop d'endroits à me positionner, ça qui est embêtant. Ah, t'as 77. Ah oui, parce que je lui avais mis Steady Arm, donc 77, pas mal. Ah, ça fait que 2, c'est embêtant. C'est bête. 17, 18. I'm on it, Commander. Ouais. On va mettre en Overwatch lui. Normalement il devrait un peu bouger parce que là... Ouais bon bah... Voilà ça. Qu'est-ce qui se passe? La caméra bouge un peu trop par contre des fois. Enfin on sait pas trop ce qui se passe. Aouh. Le meld aussi, je crois que si on... Tiens, on va se mettre là. Ouais. On the move. Enemies in sight. Oh, pas bon. Pas bon. Ouais, bon, on va revenir, hein. Fatigue, hallucinating, unit to suffer penalty to aim, will and mobility. Ah d'accord, carrément, putain. Donc en fait il hallucine, c'est trop bien quoi. 55, ouais ça se tente. Ouais. C'est bien. On va se passer là. Toit. Est-ce qu'on peut aller sur le toit? Est-ce que c'est bon ou pas? Ouais. On va se placer là et on va balancer des grenades d'en haut. Voilà. Donc Longoir aussi, le jeu extrêmement long. Donc je sais pas si je vais faire des vidéos à chaque mission parce que ouais, ça va durer 50 ans. Alors, que font-ils? Oh là là, j'espère que je vais pas perdre un mec que je voudrais pas trop le perdre. Est-ce que toi tu peux... Ah ouais, tu peux aller jusque là. Ah ça y est, elle est plus en... Elle est juste fatiguée. Elle a quoi comme grenade? Ouais, elle a ça, toi t'as ça. Elle a combien en visée? 70, ah 70 c'est bien ça. J'espère là que tu peux toucher normalement. Ouais. 93. 80. Ça fait 4, mais il n'y a que 60% de crit.
Ils ont beaucoup d'HP là du coup. D'accord. On va se mettre comme ça. J'espère que ça va pas être trop, trop pourri. Not in cover. Ouais, allez, c'est bon. J'espère que ça va faire 4 points. Ça va péter. Il y a même 5. C'est bien, c'est bien. Toi. On va défoncer celui-là. Ouais, critique 9. Ouais, les critiques sont beaucoup plus gros aussi. Hein. Mais par contre, c'est que ça va dans les deux sens. Donc les aliens aussi peuvent faire des gros gros critiques. Toi, c'est bien parce que t'as beaucoup d'HP. Donc tu vas peut-être passer en premier. Kill confirmed. Ok, ça marche bien. Pour l'instant, on n'a pas vu de truc pour le meld. C'est embêtant. C'est embêtant. Toi, je vais te reculer en fait. Ça t'a plus rien. Ouais. C'est un mode très intéressant, franchement. Ils perdent du terrain. Ça fait vraiment redécouvrir le jeu, quoi. Alors, toi qui es en haut. Bonus low profil, penalty quoi, et watercourne, ok. Est-ce que je peux le prendre sur le flanc? Ouais, je pense. Yes, yes, yes. Parfait. C'était pas les derniers. Ok. Roger, I've got my eyes on. Moving on target location. Je sais pas où il pourrait être par contre là. Eyes on target. Oh merde. Merde, 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 le mec il est à découvert. Ah ça va. Watch the sides. Non ça va pas putain. Attends, on va te cacher. Toi faut que tu te caches mec. Voilà. Toi tu vas faire le tour. On va recharger. Toi aussi tu vas faire le tour. Merde, on a voit déjà 33. On va se mettre comme ça. C'est con qu'il n'y ait pas de son en Study Weapon. Ça aurait été bien d'avoir un Overwatch, je sais pas trop. Oh merde! Ouais, ça c'est cool. Un mec qui est mort déjà. Mais bon, c'est la première mission, ça veut rien dire. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, si, c'est grave, mais... Bon, voilà, quoi. Ça arrive. Alors. Je vais vers la position. Non, on voit rien. C'est quoi comme ta grenade flashbang, toi? Ouais, on peut faire ça. Hop là. On va se déplacer comme ça.
18, 33. Ouais, pas des bons pourcentages tout ça. Comme ça. Oh putain. Aïe 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 aïe, ça va faire mal. Oh ça va. On devrait avoir 41. Ouais, 41 c'est pas énorme. I'm on the move. On peut toucher plus de non 30 non putain non, on va faire ça avec la chance il va juste oh waouh ça tire vite enfin, ça m'embête qu'on ait perdu un mec ça m'embête. Oh là là, j'en étais sûr, mais je pensais pas qu'il allait nous voir. Oh, ça va, ça va. Putain, c'est bas. Ah, mais ça marche quand même. On a toujours notre mec en haut, donc on peut toujours faire une attaque surprise. Oh là là. Oh là là. Ah ouf, ça va. C'est chaud. Ouais, ça m'embête d'avoir perdu un mec. On va juste faire une grenade par contre, normal. Ouais. Ouais, ça m'embête. Première mission, on perd un mec, j'aime pas trop ça, mais bon. Aussi, l'expérience, c'est... et pas pareil, c'est à dire que je crois qu'en fait c'est l'expérience elle marche en groupe. Bon bah là on devrait pouvoir les tuer. C'est pas celui-là qui a le kill qui va prendre de l'expérience en fait, c'est le groupe qui a tiré sur l'alien, je crois, je suis pas sûr. Est-ce que toi tu peux tirer? Oui, c'est bon, allez saute. Hello. Voilà. Il est redmond. J'ai besoin de munitions. Good work out there, Strike One. Ok. Bon, bah ça s'est bien passé. The labs are on high alert. On n'a pas récupéré de mail. Je crois pas qu'on en récupère si on les prend pas en fait. Mais je crois pas qu'il y en ait en fait tout le temps dans toutes les maps aussi. Et le mail quand on le récupère c'est genre 2 ou 4 quoi. C'est pas par 10. Donc ça, je sais pas encore trop comment ça marche. Oups, pardon. Alors, maintenant, on a... à chaque mission aussi, ils deviennent fatigués. Donc, genre là, par exemple, fatigue, 4 jours, 5 jours. Donc il faut qu'ils se reposent. Bon, on a un mort, on a un wounded. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a aussi d'autres classes. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? Alors, spécialiste. Alors, qu'est-ce qu'on a? Standard shot, primary weapon, no longer end to turn, take fin. Ok. Donc, en fait, là, ça va être. Il va changer ou en assaut. Enfin, on va voir après. On va voir après. On va faire. Les confidants effects are being unloaded and the research team is waiting for orders. We'll get started as soon as you give the order, commander. Ouais, on passe ça. Seems the complexities of our latest research projects are overwhelming the current staff. I hope you'll consider seeking out additional. Ça, c'est pareil, l'envire. Maintenant on peut faire des... Bon alors, satellite 140 c'est moins cher. On peut faire ça dès le début. Ce qui est... En fait ils sont très pratiques maintenant, ils ont été changés. Ils sont beaucoup plus utiles.
Beaucoup plus de HP, beaucoup plus mieux. En plus, ils peuvent augmenter. Je crois qu'ils peuvent gagner de l'expérience. Every member of the council is going to want satellite coverage. Ça aussi, ça a changé. Maintenant, c'est plus des petits des carrés, carré par carré. Ça augmente au fur et à mesure. Les dollars aussi, ça a changé. Qu'est-ce que j'ai à dire? Non, ça a pas changé. Mais en fait, moins il y a de panique et plus il y a un petit bonus en fait d'argent. Aussi on peut perdre en fait tous les pays cette fois maintenant. Pour perdre le jeu il faut perdre tous les pays. Mais on peut les regagner aussi. Donc c'est ce qui est très intéressant. De pouvoir les regagner. Maintenant on peut vendre le meld. Donc apparemment on en a récupéré juste un seul parce que les deux les autres ont dû exploser je crois. Enfin, ont dû passer leur tour comme d'habitude, ça n'a pas changé. On a 5 slots pour. Non, 6, waouh, 6 pour les avions. Bon, voilà, alors on va faire les classes. Donc, déjà, ça aussi ça a été un peu modifié. Commander to mission control. Toi, tu peux avoir deux objets. Pourquoi? Ça, je sais pas trop en fait. Défense moins 1, défense 2. Mob, c'est la mobilité. HP, bon, c'est HP quoi. Aim plus 5. Ouais. Je sais pas pourquoi en fait elle a deux objets alors que l'autre elle en a qu'un seul. Bon, ça c'est le fusil d'assaut normal, hein, comme d'hab. Can be steadied for greater accuracy. Ah, oui, c'est ce qui nous. Shotgun, sniper, LMG, ok. Tactic vest, tactic armor. Ah, ok. Ah, c'est ça. Light armor. Nanana, blabla. Given high priority. Ok, ça fait 2 HP en plus. Celle-là elle fait qu'un seul, mais on peut bouger plus. Donc en fait, je crois aussi que ça donne. Un objet en plus. Ah bah non. Bon bah j'ai rien dit. Ah ce qui est bête c'est que ma... Je crois que... Armure déco. Ah si non, si ça marche. Ma texture camouflage va marcher. Mais pas sur l'armure elle-même. Parce qu'elle est considérée comme une autre armure en fait. Ok d'accord. Bon, c'est bon à savoir. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être en fait une grenadière ou un médic. Donc, comme d'hab, médic avec 3 trucs. Ou elle peut avoir 2 grenades en plus. Enfin, une grenade, pardon. Et elle les balance plus loin aussi. Et elle peut porter 2 objets. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut avoir 4 grenades en tout. Donc très important. Les objets, alors maintenant on a des trophées d'aliens. En gros c'est comme Predator si vous connaissez le film. Vous pouvez garder les trophées d'aliens que vous avez tués. Donc ça augmente le moral des gens parce que ça les rappelle que les aliens sont mortels et peuvent être tués. Hein. Donc ça fait moral plus 10. Les scanners maintenant c'est des objets aussi. On peut les balancer comme ça. Comme ce que faisait le sniper, maintenant c'est des objets. Ça c'est bon, la veste tactique, c'est un gilet pare-balles comme l'avant. Ça c'est pas, enfin c'est la grenade, c'est à aiguille là. Ouais c'est ça. Flashbang, smoke, ça aussi. Maintenant c'est un objet, la grenade smoke, la grenade fumigène. Donc c'est intéressant. Ça c'est la grenade normale. Ça aussi on peut rajouter plus de munitions à notre fusil d'assaut. On peut avoir ça aussi. Donc c'est une visée laser en fait. Donc ça fait plus 5. Medikit. Ouais, ça a pas changé, c'est pareil. Ouais. Maintenant il y a plusieurs roquettes aussi. Alors, toi t'es quoi? Toi, t'es plutôt où ça?
ou Remington. C'est vrai que Remington j'aime bien. Standard shot, primary weapon no longer on the turn. First action. Ouais, ça c'est en fait il pourra tirer deux fois. C'est vrai que les classes c'est ultra chiant parce qu'on sait pas vraiment ce qu'elles peuvent faire quoi. Faut vraiment regarder, faut regarder sur le site. Ouais, donc ça rajoute deux mobilités en fait, la tactique veste. Et toi, t'as quoi en habilité? Suppression ou requête? Suppression ou requête? Pas mal. Suppression aussi. Ah tiens, ça a changé. 30 moins 30. Oh, c'est pas mal. Maintenant, en fait, ça baisse la visée de 30 et ça réduit en fait le lancer de grenade aussi. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est pour lancer des roquettes. Ouais. Je vais décider après de quoi faire avec mes soldats. Je vous montrerai sur la prochaine vidéo. Mais en tout cas, ce mode est extrêmement bien. C'est que ça change énormément de choses. Ça a plus de sens aussi, des fois. On va dire que tout ce qui est, par exemple, objet comme ça, c'est vrai que ça devrait plutôt être des objets, alors que c'est des habilités dans le jeu lui-même. Donc, c'est vraiment bien, quoi. Ingénierie, on peut... J'ai envie de faire... Ah, aussi, par exemple, il y a écrit « Build quickly » or ou normal. Donc en fait, ça c'est normal, donc ça va mettre 14 jours. Là on peut le changer à 10 jours, mais par contre on va devoir utiliser le meld. Donc ce qui est pas mal, c'est que ça nous donne en fait une option. Je vais en créer un, parce que c'est vrai qu'on a dit que c'était vraiment très pratique. Donc, on va en faire un. Les satellites, pareil, maintenant c'est 25 jours. On va peut-être en faire deux. Vu que maintenant on peut récupérer en fait les pays, c'est pas mal. Donc on va en faire trois pour l'instant, on va voir. Un autre. Voilà, je vais mettre ça aussi pour notre petit Shiv, donc le Super Heavy Infantry Vehicle. Ah oui, tiens, la base, qu'est-ce qu'on a? Tiens, on va faire ça. Pas mal, ça va. Oui, maintenant, on a thermogénérateur. Ça, c'est... Thermo. Fission générateur. Ça, c'est nouveau, ça. On a thermo et fission, maintenant. Ok. Satellite uplink. Bon, ça a pas changé. Par contre, je sais pas combien de temps il faut... Ah, tiens. Je vais faire un truc. 200... Juste un truc vite fait, en fait. On va voir combien... Est-ce qu'on peut... Détail, non. On peut pas revenir, en fait, sur... Ah, si. Review and order. Commander, satellite 3. Satellite uplink facilities are at full capacity. Satellite order, ok. We should build additional uplinks as soon as possible to allow for new satellite deployments. Combien il faut? 21 jours. Putain. 21 jours et la 14 si on a 10 melt. Oh, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment bien. Ah, par contre il faut aussi 300. Bon, on va en construire. Maintenant on va faire avec le reste, on va balancer les satellites. Et il me manque combien? 8 et 8, 16. Ouais, il manque un peu 60. Quoi. Ouais, elles sont pas très chères maintenant les corps de sectoïdes. Je crois qu'ils étaient à 5, mais avant, 10, 5 ou... Non, 5, je crois. Ouais. Par contre, maintenant, on peut vendre les objets aussi. Par exemple, si on crée des lasers, on va pouvoir les revendre. Ce qui est énorme, quoi. Ce qui est logique aussi. Ouais. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Voilà, quoi dire d'autre. On peut toujours récupérer des soldats. Ah tiens, on va juste voir un peu nos soldats, qu'est-ce qu'ils ont. Visé 50... Oh, 70, 68... Pourquoi toi tu... Ah ouais, ils ont tous chacun différents objets. Qui les rend un peu uniques, quoi.
Ils ont tous une tactique veste aussi. Une veste tactique en fait. C'est bizarre. Very light armor. Je sais pas pourquoi en fait ils ont. Commander to mission control. Ou alors en fait c'est des classes prédéterminées. Deux objets à chaque fois, deux objets. Ah mais non, c'est moi qui suis bête. Non, j'ai rien dit. Oui, ils ont tous deux objets. Voilà, ils peuvent porter deux objets tous. Mais des fois en fait ils ont des objets en fait qui sont pas considérés des objets. Par exemple, voilà ça, la visée laser, c'est un objet mais on peut pas l'utiliser, c'est utilisé automatiquement. Donc c'est pour ça que ça me perturbait. Non, c'est bon, tout est bon, tout le monde a deux objets. Le fusil d'assaut a été modifié aussi. Je crois qu'il ressemble plus à un truc d'Exalt, je crois. Le flingue aussi, à part. Non, le flingue, c'est le camouflage, en fait. C'est la ma truc. Ouais. Bon, ça, c'est un peu bête, c'est que ça va pas avec le mode, mes textures. Bon, c'est pas grave. Peut-être que je ferai une demande sur le site de Nexus pour voir un peu comment ça se passe. Ça serait bien. Bref, habilité. Ouais, c'est un peu glitch là, mais c'est pas grave. Enfin, de toute façon, elles sont pas débloquées, donc ça dérange pas. Donc voilà. Bon, je ferai une liste peut-être de toutes les possibilités qu'on peut faire avec avec les classes, parce qu'il y en a maintenant 8 en tout. Enfin voilà quoi. Bon, ça a été peut-être une petite vidéo un peu longue, mais au moins, mais il y a tellement de choses à dire. C'est énorme quoi. C'est vraiment un très bon mode et qui rajoute énormément de. C'est comme si on redécouvrait le jeu quoi. Enfin voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut.